La majorité des électeurs de Bora Bora derrière la liste de Maurice Ponga. Le député sortant recueille ici 61,03% des suffrages, son meilleur score en Polynésie. À quelques encablures, Raiatea aussi classe le député européen en tête. Sur place, c'est la commune d'Uturoa qui s'est le plus mobilisée, avec un taux de participation de 25,52%. Et si la capitale de Raiatea s'offre un tel score, c'est grâce à la candidature de Madame le maire. Je pense qu'ils ont voté d'abord pour le Tavana, et après pour, parce que c'est difficile de comprendre l'Europe, hein, et donc le programme, on n'a pas assez parlé du programme de l'Europe. À Uturoa, comme sur l'ensemble des îles sous le vent, c'est la liste Choisir notre Europe qui arrive en deuxième position. Une liste PS-UPLD, 4 voix, et à Taha, où elle enregistre 265 voix. À la troisième place, le tandem Younous Omarji Maeva Salmon recueille 10% des suffrages, talonné par la liste Bleu Marine du Front National. Mais comme partout, en Polynésie, le meilleur score est celui des abstentionnistes, plus de 23 000 enregistrés hier pour les îles sous le vent.